Ça, c'est les 100 000 pour avoir fait les 3 planques, je pense. Parce que oui, du coup, j'ai enregistré la première planque, mais comme je vous l'avais dit, j'ai pas enregistré les deux autres que j'ai faites dans la semaine, parce que j'ai littéralement fait que ça. Et la petite routine du salon auto aussi, voilà. Bon, j'espère que ça va bien. Alors, le programme du jour, ça va être assez simple. Il n'y aura pas grand-chose à farmer, puisque cette semaine, c'est les missions de Dr. Dre qui sont doublées, étant donné que j'ai pas d'agence. On s'en fout, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. En revanche, il y a une petite promotion sur les hangars. Alors, j'ai pas pour but d'avoir un arsenal de véhicules aériens de fifou, mais on est à un moment un peu particulier, puisqu'ils ont annoncé le prochain DLC. Donc, bon, évidemment, à l'heure où sort l'épisode... Le DLC est déjà sorti depuis belle lurette et on connaît déjà tout son contenu, mais là actuellement, à l'heure où je tourne, on sait pas exactement le contenu du prochain DLC. Bref, peu importe, ça va être un truc spécial mercenaire, donc cette semaine, en même temps que l'annonce du DLC, ils ont mis les hangars en promo, donc on va certainement acheter un hangar. Voilà. Ce qui me pousse aussi à l'acheter, c'est que visiblement on pourra garer l'Avenger dans le hangar. Du coup, ça m'évitera d'avoir un complexe, parce que le complexe, c'est vraiment le dernier truc que j'ai envie d'acheter sur ce compte là. À voir s'il y a une promo incessamment sous peu sur l'Avenger ou quoi. Bon, voilà. Si on peut ne pas se priver d'un nouveau business qui peut rapporter éventuellement l'équivalent ou peut-être même plus que le labo d'acide, je me dis que ça peut être intelligent de le faire. On verra bien ce que ça donne à la sortie du DLC. Vous en savez déjà certainement plus, parce que à mon avis, l'épisode sort quand le DLC est déjà bien poncé par tout le monde. Mais voilà. Moi, là, actuellement, je me dis qu'il faut réfléchir stratégique. Il faut anticiper ce que va faire Rockstar. Je me dis que dans l'idéal, si je peux dire à mon moi du futur, au moment de monter cet épisode, bien joué frérot, heureusement que t'as acheté le hangar. Ce sera toujours un lieu où je pourrais garer des véhicules si jamais j'achète des véhicules un jour. Et c'est surtout pour l'Avenger que je fais ça. Les avions, là, les nouveaux jets qui vont nous sortir, clairement, je pense pas que je l'achèterai sur ce compte-là. À savoir le prix qu'ils vont nous foutre en plus avec les augmentations des derniers avions, c'est peut-être justement pour équilibrer ce truc-là, parce qu'ils vont nous sortir des avions à 8 millions. Je ne suis que dans la spéculation. On verra ça quand ça sort. Alors, je vais tourner la roue et après j'achète le hangar et je pense que j'essaierai de taper après le chrono parce que cette semaine il est doublé. Voilà, on va pas farmer, mais si on peut faire un petit truc doublé, ça ne m'arrange. Et surtout que je l'ai déjà fait sur mon compte PS5 avec l'aide de l'ami China. Au moment où j'enregistre, c'est encore une surprise, mais ce petit filou est de retour sur PS5. Alors bon, je pense que tout le monde est déjà bien au courant, enfin tout le monde, les gens qui me suivent, les vrais de vrais, hein, qui regardent les lives, etc., le savent déjà parce qu'il m'aura certainement humilié comme il faut. Mais j'ai eu la surprise hier, du coup, sur PS5, de me faire orbitaler la tronche par Monsieur West Coast Custom. Et du coup, après, bon, voilà, c'était pour rigoler, parce qu'il voulait le faire en live de base pour me faire la surprise. C'est une surprise qui n'a pas eu lieu en live, mais bel et bien dans ma tronche. Et du coup, après, il a vu que je farmais un petit peu et tout. J'étais pas vraiment en train de jouer en mode de hardcore tryhard, mais du coup, il m'a accompagné quand même pour faire le chrono. Et j'ai bien galéré, quoi. Même en Akuchu Drag HSW. Donc là, je pense qu'avec la Kuma, je vais chialer ma race. Mais c'est pas grave. On va le tenter. Il m'a donné un bon itinéraire. Donc je pense qu'il y a moyen de le taper. Peut-être en essayant 3, 4 fois, 15 fois, je sais pas. Lourd! Allez, 30 000 boulas, 5 millions, c'est bien, je suis content. On va acheter le petit hangar tout de suite, comme ça, ça sera fait. Parce qu'après, on va oublier. Alors, on va pas réfléchir, on va prendre le moins cher. C'est lequel? C'est lui, voilà, moins d'un million, c'est parfait. Est-ce qu'on se fait chier à le décorer? Vraiment. Est-ce que la question se pose? Ouais, mais là, du coup, on dépasse le million, psychologiquement, ça me fait chier. Je sais, oui, j'ai 5 millions. 5 millions, mais c'est bon. Ouais, mais non, non, non. Justement, s'il y a d'autres choses à acheter, là... urgente comme l'Avenger ou ce genre de truc. Peu importe, on sait jamais ce qui peut tomber en promo et ce qui peut être important d'acheter, tu vois. Imagine, il y a bête de véhicule qui sort et il faut absolument l'acheter. J'en sais rien, tu vois, j'en sais rien. Parce que sinon, de base, il est comment? Bon, il est bien, en fait. C'est jaune. On voulait du jaune, on va le laisser comme ça. Hein. C'est bon. Ça, c'est... Ouais, c'est vraiment inutile. Mais l'éclairage est plus stylé, faut reconnaître. Là, c'est des vieilles lampes. En plus, c'est 40 000,
vas-y, on va prendre ça. Le petit marquage au sol. Ouais, je sais pas. Même sur PS5, j'ai jamais acheté les autres. Je les trouve nuls. Alors, désolé, hein, ceux qui les ont achetés, mais je sais pas. Je préfère largement lui. Et pas parce qu'il est gratuit, hein, parce qu'il sépare bien les avions, je trouve. Enfin, même s'ils sont pas posés exactement dans les... Bref, bon. On s'en branle de ta vie, frérot. Ouais, ça coûte bien de chez Rose pour ce que c'est, quand même. Mais j'avoue que ça, c'est stylé. Et mais après, tu sais quoi, en fait? Non, mais faut que j'arrête de péter plus haut que mon cul, moi. Hein. Ce perso-là, il est nul. On va faire les choses dans l'ordre. On va pas acheter tous ces trucs-là. Ah, voilà, ça, par contre, ça, on est un peu obligé. Ouh, ah ouais, mais c'est le prix du hangar, frérot. J'achète deux hangars, là. Wesh. L'éclairage, on va peut-être s'en passer, hein. Voilà, on économise 40 000 boules, youpi. Est-ce qu'on est vraiment à 40 000 boules près? Oui, franchement, oui. On va faire le truc en mode RP, les gars. Je suis un petit niveau, je vais pas acheter des trucs de fifou tout de suite. On va le faire progresser, ce compte, progressivement. Voilà, c'est le but. On va pas tout acheter comme ça, craquer son slip maintenant. C'est bon, on a tout au minimum. L'atelier, on est un peu obligé de l'acheter parce que sinon, on peut rien personnaliser. Ça me fait chier, ça me fait chier, mais bon, après 5 millions, ça va, je suis remonté assez vite en vrai, après l'achat de la MK2, on peut se faire kiffer, let's go, voilà, surtout que j'ai acheté le moins cher, hein. C'est ça qui est fou, quoi. Ah, j'ai eu un Cuban gratuit, quoi. Super, évidemment, on m'a volé ma voiture, elle est où? Mes frérots, ils ont éclaté ma caisse ou quoi? Pourquoi je la vois pas? Ah, les bâtards. Ah oui, putain, il y a l'école de pilotage aussi qui est doublée. Ah ouais, bon, je vais peut-être le faire. C'est pas garanti parce que ça me fait un peu chier, mais j'avoue que ça peut être pas mal de le faire. Vu que c'est doublé et que c'est un truc que je comptais pas faire parce que c'est vraiment chiant. Mais je me dis que ça fait toujours un peu de thunes. Si en plus c'est doublé, c'est intéressant et ça me permettrait d'augmenter mes capacités de pilote. Bon, on va d'abord faire l'essentiel. Elle est où la planque? Ok, elle est là, putain. On va faire la planque, ensuite le colis. Ou alors non, je fais la planque et après le contre-la-montre. Parce que le contre-la-montre, il ramène vers le Vinewood, donc je serai à mi-trajet, quoi. On va faire ça plutôt. L'école de pilotage, c'est un enfer. C'est un truc qu'il faut faire au moins une fois, mais c'est vraiment chiant. C'est une tannée. Non mais où? Voilà. Bunker, yes, aïe. Alors, normalement un Akuma ça peut le faire, mais je sais qu'un Akuchu Drag c'était vraiment juste, quoi. Enfin genre j'avais peut-être 10 secondes d'avance, ce qui est vraiment pas énorme. Allez, concentration. Là la tech, faut pas suivre le GPS en fait. C'est vraiment un trajet à connaître par cœur, parce que si tu suis le GPS, c'est sûr que tu l'as pas. Typiquement, t'es dit de partir à droite, en fait faut partir à gauche. C'est vraiment contre-intuitif parce que tu fais ça, là tu prends ce virage et après, zoup, tout droit. Genre tu coupes tout ça en fait. Tu suis plus la route à partir de là, là, vers là. Et tu traces comme as dans les montagnes. Et t'as atterri à peu près dans ce virage là. Et après le dernier virage, c'est vraiment, je te dis, c'est là que c'est tendu du string. Parce que si tu perds du temps dans la montée là, si tu prends mal les jumps ou quoi, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Bref. Mais t'inquiète, t'inquiète, je livre le area là. Putain, espèce de con. Allez, on se concentre, on fait le vide, et en plus il pleut. C'est vraiment, à chaque fois que je fais un contre-la-montre, il flotte. Voilà, là tu coupes à partir de là, et là faut tracer. Et là, donc ça peut être hyper dangereux, puisqu'il y a des boss tout le temps. Faut rester sur les crêtes en général. Les creux ou les crêtes, ça commence par creux, quoi. Là, tu vois, je pense que j'ai pas bien pris, là. Là, tu vois, j'ai perdu quelques petites secondes précieuses. Ah, voilà, là, c'est la merde, là. Là, je suis là, tu vois, je suis pas passé au bon endroit, là. Là, tu sens que la moto, elle galère, putain. Allez, monte. Putain, elle a une perte de patate, là, Akuma. Mes frères, ok, 1 minute 30, quoi. Je suis pas très loin, ceci dit, t'as vu? Ouais, c'est... en fait, faut vraiment tracer de fou. Mais je me demande si c'est techniquement possible avec la Akuma, en fait. Parce que là, tu vois, j'ai trop de perte de vitesse. Dès que ça monte, là, c'est plus possible. Je me suis pas pété la gueule, hein. C'est pas passé loin pourtant. Là, il y a moyen que entre la Akuma et la Bati, il y ait une différence, tu vois, sur ce genre de chrono. Ah putain, tu vois, ça là. Voilà, ça c'est le pire truc qui arrive, ça. Perte de temps monumentale quand tu fais des stops comme ça là. Allez, putain, 10 secondes. Qu'est-ce que tu veux faire à 10 secondes là? T'es-moi comment je suis 10 fois trop loin. Putain.
C'est vraiment hier, voilà. Quand j'ai compris un peu le trajet, j'ai recommencé à chaque fois parce que j'arrivais ici, il me restait 4 secondes. Je vais réessayer une dernière fois, mais je pense que je vais abandonner parce que là, clairement, on voit que même en conduisant bien, c'est pas possible. C'est le genre de chrono qu'il faut faire en à-coups-de-chou, même pas HSW, mais en à-coups-de-chou. Enfin, faut prendre la moto la plus rapide. Je vois pas comment tu peux y arriver sans un véhicule giga cheaté. La Akuma, elle est trop faible. Elle perd beaucoup trop de puissance dès qu'il y a une montée. La grosse pute. Toi, t'as de la chance que j'ai pas mes armes. Vas-y, le sol est sec. On va retenter une dernière fois. Je vais essayer de lever un petit peu aussi, ça peut faire gagner un peu de vitesse. Putain, c'était la même voiture, quoi. Et il a tourné aussi. Ouf, putain, le buisson, il aurait pu être fatal, là. Vas-y, putain, ça me saoule. Vas-y, nique ta grand-mère, vas-y. Super, 2000 balles, merci, au revoir. Voilà. Moto de merde. Non, pardon, je t'aime Akuma, mais t'es vraiment pas assez puissante, ça me casse les couilles. Tiens, je vais passer à la boîte, me récupérer l'équivalent du chrono que j'ai pas eu. La boîte ne tourne pas à vide, mais je sais pas quoi. Ah merde! Ah putain, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait l'émission de popularité, là, ça doit pas être fifou. Je fais le colis et après je vais faire un petit tour à la boîte. Nickel. Est-ce qu'il y a une échelle ici là? Est-ce qu'il est dessous le bug? Mais j'ai peur de descendre l'hélico et de le noyer. Là. Vas-y, c'est pas très profond. Là. On va le poser là. Là. C'est bon, c'est pas dans l'eau là. Oula. Putain, les hélices, ça aurait pu être... j'aurais pu être recoiffé. 7000, oh, c'est pas ouf. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Ne me dis pas qu'il est noyé là. Mais non, le moteur il est en l'air. Ah non, c'est bon. Yes. Oh putain, le niveau il monte un peu quand même. Hein. C'était dangereux. Hein. Je passe à la boîte, après je passe au hangar et après on essaie l'école de pilotage. Là. J'aurais dû acheter tous les étages en vrai. Hein, parce que là c'est vraiment de la merde. Je pensais pas acheter des business de club de motards en fait. Mais là mon stock il doit puer du cul. Le fait de pas avoir tous les business et en plus qu'un étage, j'ai vraiment rien quoi. La dernière fois que j'ai regardé, je devais être à 200 000. C'est nul. Allez, c'est ciao. Bon, allez, un petit en plus là. On dit pas non. On va descendre comme ça. On va voir à combien on est. Petite astuce, hein, si vous pouvez pas vous mettre en PDG ou que vous avez la flemme de vous enlever du mode passif et de vous mettre sur l'ordi, etc. Vous descendez au premier étage et vous voyez votre stock en bas. Mais là, du coup, j'ai 200 000 à vendre, mais le stock est pas plein, donc je sais pas si c'est parce que j'ai pas tous les étages ou si parce qu'il manque des trucs. Non, j'ai l'impression qu'il manque des... Ouais, il manque des étagères. Donc, je réassigne du personnel, je crois, je sais pas, putain. On va d'abord remonter, refaire une petite mission pour virer le gars, là. Et après, je m'occupe de ça. Ah. T'es revenu, toi? Allez. C'est ciao, je t'ai dit. Voilà. Ah putain, 3 millions, ouais, j'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai que ouais, dans ma tête j'étais à 5, donc c'est bon, je repassais juste à 4 millions, mais en fait c'était quasiment 2 millions le hangar, putain. J'espère qu'il va y avoir des promos vraiment sur l'Avenger, hein, parce que je sens que le business il va coûter une blinde encore. Et ben voilà, 198 000, c'est ce que je disais, on a presque eu la même somme que si on avait réussi le chrono. Attends, oui, j'avais dit que je regardais si les techniciens étaient bien assignés. Voilà. Alors, qu'est-ce qui passe ça dans mon entrepôt? Ok, donc les deux sont au max, mais attends, mais il y a un truc qui bouge pas là, les imports sud-américains, bordel de merde. Je l'avais pas réassigné, mais quel bouffon. Au moment où j'ai fermé le business de cocaïne, en fait, ça le verrouille comme si tu l'avais pas. Et du coup, bah, y a personne. Après, si tu réouvres le business, voilà, c'est logique. Bref, voilà, pensez à réassigner un technicien à la boîte de nuit, parce que du coup, votre truc ne monte pas. Et c'est bien con, parce que j'ai perdu là du temps, là, j'aurais pu faire une petite vente full, et il me manque. Ouais, deux imports sud-américains, c'est pas énorme. Ouais, c'est parce que j'ai qu'un étage. C'est mignon hein, d'avoir toutes ces mes améliorations, mais si t'as pas d'étage, c'est un peu contre-productif. Acheter des améliorations, ils sont sérieux avec leur message claqué, là? Les gars, vous avez j'ai les améliorations, pourquoi vous êtes cons? Pas possible, hein. Bon, on va passer au hangar, faire la petite animation de départ, là. Je pense qu'il y a un truc à la con à faire avec Ron ou je sais pas qui. Magnifique, ah. Oh yeah. Ah oui, d'accord, il y avait des gars morts. J'avais complètement oublié ça. Yes, my friend, they're dead. Liquidize. Oh, hey, hi. Oh, you're trying to kill me? Oh, you're my new partner. You bought into the place. You're late. What kept you?
Yeah, well, it's too late. Ah, that bastard Trent. My best friend? Oh, he's supposed to protect me forever? Then he goes all Vinewood on me. He's too important for Ron now. But he's a guru. He's a lifestyle coach. I don't know what he is. I just shot two government agents in the head. I mean, I hope they're government agents. Oh, I mean, that's the only reason I let them in. Because I thought it was gonna be him. Ooh, who's that? This is Charlie. He was in the Air Force. Là, lui aussi, il a été teasé du coup dans le DLC. On va voir un peu plus de lui très bientôt. You know how the deep state is. Now back here is where we store cargo. Now back there is where you can store any aircraft that we... I mean, you haven't left out here on the main floor. And over there is where Charlie works. Hey, Charlie! Ah! You'll like Charlie. He's boring, but he's good. His work is amazing. Give me a hand with these bodies. Ah! I am so glad you're here. You're the best friend I've had, and I mean that. Don't let me down! Ouais, putain, j'avais oublié tout ça. Bon, bah, nice! Il est pas ouf, cet avion comme ça, là. On va le custom. Peut-être changer la couleur, je sais pas, on va voir. Ah, on peut mettre des bombes? Bon, ça, on va peut-être attendre, parce que clairement, j'en ai pas l'utilité. On peut le mettre en mode avion de contrebandier. Vas-y, on va le mettre comme ça. Bim. Voilà, bon, ça sert à rien, mais au moins on est en mode voilà, contrebande, on est prêt pour le DLC quoi. Et ben c'est tout, voilà, on a fait ce qu'il fallait faire. Franchement il est pas mal, hein. Son custom, il est bien comme ça je trouve, il a une bonne gueule. Hein. Bon, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Demain je tenterai peut-être les missions de pilotage, parce que là j'avoue que j'ai vraiment pas la foi de faire ça maintenant. Et besso, yo yo yo, qu'est-ce que je branle ici moi? J'ai mis dernière position en réapparition. Ok, bon, et ben chouette, comme ça on va enchaîner direct sur les objectifs du jour, c'est-à-dire l'école de pilotage. Ouais, on est le lendemain de hier, ça paraît logique dit comme ça. C'est marrant, j'avais jamais cramé qu'il y avait des pilotes ici qui marchaient tranquille ou bilou comme ça. Ouais, non, toi t'es vraiment pilote. Par contre, t'as la casquette qui déconne un peu, frérot. Hein. Falloir engueuler ton costumier ou ton coiffeur, je sais pas. Bref, je suis mitigé sur ma motivation à faire ces trucs. Mais bon, je crois que les premières ça va, mais c'est surtout l'avant-dernière qui est un cauchemar. Bref, on va pas y penser, on va faire ça dans l'ordre. Allez, looping à l'envers. Ouais, c'est bon. On m'a pris pour un jambon en plus. C'est marrant parce qu'on commence avec un laser, on finit avec un laser. Peut-être qu'on finit avec un hydra, je sais plus. Enfin bref, en tous les cas, c'est les épreuves les plus simples. Ah merde, c'était dans l'autre sens. Abruti que je suis. Non, c'était ça, quoi? Fallait commencer maintenant? Ah, les blaireaux, j'ai commencé trop tôt, c'est ça le délire, là? Oh, putain, mais non, mais c'est sûr, attends, on va recommencer. Merde! Comment on fait? Ok, bon, je sais pas c'est quoi la touche pour recommencer direct. Bon, faux départ. C'est pas que j'ai pas réussi, c'est que j'ai pas compris à quel moment fallait le faire. Faut attendre qu'il y ait la petite barre en bas. Là. Sur Gold Star. Oh ouais! Ah ouais, ça paye bien! Je sais plus combien il y en a au total, mais c'est pas mal hein, si ça paye dans ces eaux-là à chaque fois. Ah ouais, celui-là, faut s'arrêter à temps. Bon, celui-là, je garantis pas une réussite du premier coup parce qu'il faut calculer vraiment. Faut capter à quel endroit faut s'arrêter et je sais plus. Faut planer quoi. Mayday. J'aimerais bien vous dire que je suis un PGM et que je vais faire tous les trucs à la première personne, mais non, c'est un enfer. T'imagines, tu fais tous les trucs comme ça? Et encore là, ça va parce qu'il faut juste aller tout droit et freiner. Je pense que le pire, c'est l'avant-dernier, encore une fois. Je sais pas à quel moment je peux freiner, là j'ai peur de m'arrêter trop tôt. Ah, je vais m'arrêter avant, on fait chier. J'ai même pas freiné, hein. J'ai juste posé l'avion, quoi. Si je m'arrête avant, techniquement, c'est bon. C'est bon, là, 10 mètres. D'argent! Faut pas que j'atterrisse aussitôt, ouais, d'accord. 11 000, ouais, c'est bien. Bah non, frérot, moi je veux que de l'or. Bah, du coup, faut que je me pose beaucoup plus loin et que je freine au bon moment. Star Command, we got a problem. We don't have the motor on. The engine is dead. On va peut-être sortir les roues. C'est paniquant un peu les bruits, hein, même quand on sait qu'il va rien se passer d'autre. Alors attends, on va atterrir. Attends, on va atterrir sur le dernier double trait, là, enfin les quatre traits, là. Oula, ouais, j'ai été un peu violent. Là, j'arrive assez vite.
franchement. J'hésite à freiner, on va freiner là au trait, aux deux traits. Non, on va même pas freiner en fait. Allez, arrête-toi, fils de... Voilà, parfait. Ouais, j'ai vraiment freiné à la dernière minute. 2m37. Aïe. Ah ouais, mais du coup, on gagne rien. Ouais, faut avoir la médaille d'or direct. Hein. Alors, chute libre, ça c'est quoi? Sauter dans l'air, attraper votre parachute pour... Ah oui, ça c'est facile. Oh là là, magnifique. Oh merde, attends. Je préfère le déclencher trop tôt que trop tard. Hein. Là, il n'y a pas de temps. Donc ça, c'est bien. C'est que ça me laisse le temps de me concentrer sur l'atterrissage. Non ! Ah, ce bâtard, il a continué à avancer. Putain. J'ai jamais compris ça quand tu fais un atterrissage. Parfois, il s'arrête net. Genre, ton perso marche plus. Et parfois, il court. Et le fait de ça, ce truc, quand tu cours, là, ça te baise parfois. Mais c'est horrible. Voilà. J'ai anticipé le petit jogging de fin. Et ouais, on a pris pour un jambon, je t'ai dit. Je sais plus si on a un bonus à la fin quand on a tout fini. J'espère, hein.